Eh bien, salut tout le monde, et on se retrouve pour le 10e épisode du SP sur Tomb Raider 2013. Déjà, j'ai pas la webcam parce que j'ai pas envie de vous montrer un affreux appartement. En gros, c'est complètement le bordel chez moi, j'ai la tête dans le pâté, enfin, voilà. J'ai pas envie de vous infliger ça. Du coup, pas de webcam pour cet épisode. Ensuite, on se retrouve au camp provisoire, donc vous savez, on s'était fait attraper par Mathias, enfin par Mathias, pas directement mais plutôt par les Russes qui l'accompagnent, là, ses chefs, donc qui étaient les frères de ceux qu'on a tués au début, vous savez, à qui on a pris le pistolet. Voilà, et on avait réussi à sauter dans une mare de sang. Je sais pas si on peut appeler ça une mare, un lac, une rivière, enfin bon. Et nous voilà recouverts de sang. Donc on essaie d'avancer, on a plus que notre arc, donc ça va pas être super simple, je vous l'accorde. Mais on va y arriver. Alors par contre, je vous préviens, cet épisode, ça va être un peu sale. Vous allez comprendre pourquoi. Ne résiste pas trop. Et prie pour qu'il te tue rapidement. Oh mon Dieu. Oh non. Ah, j'en ai eu un. GG. Ok, c'est trop bizarre là, vous allez voir. En gros, ils ont enfermé plein d'humains dedans pour les rendre fous. Vous savez, c'est un peu ce qu'on avait lu là. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont vraiment sombré dans la folie. Vous savez, qui n'ont pas résisté, qui n'ont pas rejoint leur rang. Et du coup, ceux-là, c'est ceux qui sont là, en fait, tout simplement. Et les autres qui veulent, enfin, dont ils veulent se débarrasser, ils les jettent dedans et les mecs se font bouffer. C'est très très cool. C'est assez sale. De toute façon, vous voyez, il y a des piles de cadavres partout. Est-ce qu'on a quelque chose à trouver? Oh putain, oui, on a des trucs à trouver ici. C'est tellement pas rassurant tous ces bruits et tout. Ah, attendez. Voilà, ok. Je crois qu'il va me tomber dessus ou un truc dans le genre. Ça va être juste atroce. Ok. Tu es bizarre, monsieur. Enfin, je l'ai dit, tu es fou aussi. Bon, ça y joue un petit peu. Oui, on va pas non plus se cacher que la folie influence le boom. Non, la folie n'influence pas le boom, mais... Oh. Pardon, je voulais pas faire la flèche enflammée. Excuse-moi, c'est... Autodéfense, réflexe, je suis désolé. Tu voulais peut-être parlementer, non? Dialoguer, quelque chose. Oh. Ok, un géocache. Ah mais si, je peux ramasser ce cadavre. Enfin, je sais pas, ils disent que je peux. Bon, c'est bizarre. Bon, c'est très chiant par contre, c'est que je suis obligé d'utiliser une flèche à chaque fois. Alors, ouais, je veux pas les tuer parce que ça serait juste gaspiller des flèches. Ça m'en rapporterait de l'XP, vous me direz, mais. Voilà, bon, sauf ceux que je peux tuer comme ça. Comment ça, je suis sans cœur? Ça rapporte de l'expérience, donc ça mérite. Je crois que je t'avais pas vu toi là-haut. Ah merde, c'est le ok. Bon, je pense que j'en ai raté pas mal. Hein. Il est où l'autre? Il s'est barré où? Attendez, je peux grimper là. Par contre, j'ai complètement perdu l'autre, hein. Enfin celui qui est passé. C'est pas grave. On dirait qu'il date du début du 18e siècle. Éventail funéraire, ça commence bien. Les éventails en soie noire étaient souvent utilisés lors des funérailles des membres de la noblesse. Il y a une petite lune dessus, je sais pas si vous avez fait gaffe. Enfin, j'avais l'impression.
Bon. C'est ça qu'il faut que je détruise. C'est ça qu'il faut que je détruise, ok. Non, les flèches repop pas. Bon. On va avancer un petit peu. On va ouvrir cette porte. Ou défoncer cette porte au choix. De toute façon, je reviendrai dans la zone, hein, je l'ai dit, pour finir. Flèche, 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 flèche. Ah, merci. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, ce tir était beau. Voilà. On a d'autres? Ah. Non. D'abord, je fais sauter le casque. Et ensuite, je te tire dans la tête. Aïe, 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 aïe. Le cas. Ah non, j'ai pas eu le casque. Là, j'ai eu le casque. Là, j'ai eu la tête. Alouette. C'est bon? C'est bon. T'as les mecs, par contre, genre, je tire une flèche et tout, j'en tue un. Discrètement, mais genre bien discrètement, quoi. Le mec, tout de suite, il sait où je suis. Mais par contre, le fait qu'elle ait encore son arc, ça, c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'il y en a encore. J'y vois rien, barre-toi. Non, tu ranges pas ton arc? Toujours pas? Putain, tu fais chier, Lara. Bon, on va lire un bouquin. Alisha, ma chérie, je ne voulais pas t'écrire cette lettre. Mais si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se représentera peut-être pas. J'ai quelques problèmes à résoudre et il se pourrait que je reste loin de toi plus longtemps que prévu. Je ne sais pas quand tu liras cette lettre, mais je veux que tu saches que je me suis battue pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tout ce temps loin de la maison, l'argent économisé, les sacrifices. Je suis désolée pour tout ce que tu vas devoir endurer sans moi. Si je ne reviens pas, va voir Conrad Ross. Tu ne l'as jamais rencontré, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est ton père. Tu as ses yeux. Tu es la plus belle chose de ma vie. Et je t'aime plus que tout. Et on apprend enfin un truc. Donc c'est bien... Ross et Reyes, voilà. Hein? Bon. Sac ou pas sac? Pas ça qu'on dirait. On va d'abord monter là-haut, on ouvrira cette porte plus tard. Bah, par contre, elle est encore armée, mais il n'y a personne. Enfin, je ne vois personne. Alors, attendez. Là-haut, il y a des trucs. Je ne peux pas y aller comme ça. Il faut. D'abord, sauvegarder au feu de camp. Hop. Pardon, je t'avais pas vu, toi. Nous disions sauvegarder. C'est bon, elle parle pas? Elle parle pas. J'ai envie d'une amélioration d'armes là par contre. Mais par contre, j'avais cru voir un géocache, non? Non, c'est vraiment ça qui brille, tu m'avais dit en erreur. Ok. Donc, on ouvre ça, on fait tout péter. Et c'est déjà pas mal. Et on avance. Voilà. Attendez, hop là. Ça sert à rien de faire péter ça, si. Faut quand même faire le test au cas où, mais... Ouais, non, c'était pour les ennemis si j'avais réussi à être vraiment discret, mais... Mais le jeu en a décidé autrement. Hop, pardon. Il a l'air d'avoir un truc au-dessus. Attendez. Là, il y a des bougies. Mais si actuelle la lumière des bougies là-haut.
Ouais, mais en fait, il y a l'air d'avoir tué les bougies là-haut. Bon. En fait, tant pis, y a rien. Ça me perturbait cette lumière. Oh non, il est monté en même temps. J'ai besoin d'aide. Tu as besoin de rien du tout, mais t'es sérieux, pourquoi t'es monté toi? Quelqu'un m'explique pourquoi il y en avait un derrière? Attendez, attendez, attendez. Oh, je suis pas à l'abri moi là. Et j'ai tué mon arc. Trop bas. Ouh. Moi aussi j'ai tiré trop bas. Désolé mais ces ampoules me stressent. Donc y a pas des sacs ici non plus? Si, là-haut. Ok. Personne n'a une amélioration d'armes pour moi, forcément. Pas tant que j'aurais pas récupéré toutes mes armes, je suppose. Ah, je me demande si le jeu a pris ça en compte. Genre, en gros, enfin, je sais pas si c'est. Si du coup c'est possible. Mais si par exemple j'ai 3 pièces pour améliorer, disons le fusil. Mais j'ai pas le fusil là. Est-ce que ça prend quand même. Ça demande quand même de faire amélioration ou pas? Je sais pas, je sais pas si le jeu a pris ça en compte. Il va m'en manquer qu'un, hein. Non, 2, pardon. Hop, on va passer par là. Moi, bon, attendez, j'ai affiché, j'ai rien raté. Non, là, y'a rien. Ok, et là, on grimpe. On prend de l'XP. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc là, je vous rappelle notre objectif. C'est aller sauver Sam, Reyes, Jonah et Alex. Bon, Sam n'étant pas avec les trois autres. Hein. Vous avez bien vu, Mathias lui réservait un sort un peu spécial. Alors attendez. Nos cœurs te vénèrent. Par le feu, nous sommes liés à toi. Tu es le soleil. Je trouve ça risqué, non? Oh, parfait. Qui gronde la nuit. Nous sommes tes enfants et nous attendons le jour où tu nous éclaires. Je voudrais faire péter ça, je peux pas. Qu'est-ce que bon sang ? J'arrive pas à le faire péter. Voilà. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Pardon, excusez-moi. Attendez, c'était magistral, ils ont tous fait là-haut là. Ah. Après, j'ai peut-être profité de quelques secousses dans la grotte. Mais ça... Disons que c'est une autre histoire. Oh, putain. Ouais, bon, ça secoue quand même vachement. Alors, vis-moi les améliorations, parce que j'ai tellement de... Je peux pas sauter si tu peux. Et il y a un autre bouquin, ok. Non, il veut pas parler. Ah si. 2011. Les années ont passé. J'entends ces murmures dans mon sommeil. La reine solaire. Elle m'encourage. Je vois son visage à chaque rayon de soleil. Cela ne devrait plus être long. Mais Solari travaille dur pour elle. Ils construisent une ville avec tout ce qu'elle a apporté sur l'île. Combien de tortures, de sacrifices en son nom. Bientôt, nous trouverons l'élu. J'ai hâte de quitter cette île et de laisser derrière moi toutes ces horreurs. Les épaves, les cadavres, la misère. Si je parviens à ramener la reine à la vie, tout s'effacera en un instant. Comme le soleil qui renaît chaque jour. Elle illuminera cette terre et brûlera tout. Et moi,
je renaîtrai de cette terre brûlée, libérée et purifiée. Ok, donc ça confirme, Mathias est complètement taré. Mais il vient de me donner la question, donc je le remercie. Je vais la poser maintenant. Non, je la poserai à la fin de l'épisode. De toute façon, si je la pose maintenant, tout le monde va oublier d'y répondre. Hein, parce que voilà, vous n'allez pas réagir que c'est maintenant, vous écrivez un commentaire, vous allez oublier d'ici la fin de l'épisode. Donc je la poserai à la fin de l'épisode. Un éventail fabriqué pour une occasion spéciale. Sans doute un mariage. Il a l'air très récent. Ok. Ah non, ça c'est ça. Il me manque un sac. Je suis un peu dégoûté là si j'ai pas un sac de plus. Attendez, comment on fait déjà? On ouvre ça, je crois. Oui, c'est ça. On ouvre ça. On recule, Lara. Alors. Je tire là-dessus. Et pendant que je tire, je fais péter ça. Voilà, comme ça, ça le fait accélérer. Et ça fait aussi tout péter. Donc en fait, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh putain. Oh putain. Ouah. C'est le bordel. Aïe, non, non. Pars-toi de là, Lara. Vite. Wow. Ah. Continue, fils de pute. Tu vas voir, tu vas adorer quand je te planterai une de ces flèches dans le cul. Oh, t'as une telle caractère. Hey, évite de les exciter. Hein, on a du boulot. Je sais, allez. Voilà. Cinématique. Non, non, merde, il en reste un. Eh, hey, il vise vachement bien ce con par rapport à... Enfin, je dirais par rapport à moi, c'est normal. Voilà. Ouais, cinématique. Wow, Lara la guerrière. Comment t'es arrivée jusqu'ici? On m'a aidé. Grim? Oui. Il s'en est pas sorti. Merde. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Showbiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Ah, j'avais pas vu. Je vais trouver une solution. Je sais pas si vous avez vu, mais sur le... Essayez de desserrer ça. Sur le coup de... Merde. Attendez, je vais retrouver son nom. Okay. Attention. Saute. De Alex. Il y a une molécule de dessinée. C'est, on voit que c'est quand même vraiment le petit scientifique du groupe. Lara, il se passe des choses bizarres ici. On les a entendu parler d'un esprit du soleil. La reine solaire. L'ancienne souveraine du Yamatai. Tu plaisantes? Tu veux dire qu'on est au Yamatai? Oui. On dirait bien. Alors c'est pas beau ça? On a fini par le trouver, ce fichu. Bon, maintenant faut grimper. Ça pue quand même la caverne depuis tout à l'heure. Voilà, on est d'accord. Le sol commence à céder. T'en fais pas pour ça, Lara. Fais-nous seulement sortir de là. J'assure, ma belle. Oh putain. Bon, maintenant on fait quoi? Ah non, merde, dans l'autre sens. J'avais une chance sur deux, hein, vous me direz. Donc. Voilà, comme ça, là, ça le décale, en fait. Oh, accroche-toi, Lara, accroche-toi. Ok, ok. Du feu rouge. Du magma. Du feu liquide, pardon, faudrait dire. Pas du feu rouge. Ou de l'eau rouge, au choix.
déclencher du doux. Faut qu'on sorte de ce truc. Accroche-toi. Oh merde, ça craint. Ouais, ouais, on est d'accord, ça craint bien, bien là. Lara, sois prudente. Toujours. Regardez où vous êtes. Merci. Je me demandais comment passer. Trop aimable. Vite, Lara. Quoi que tu fasses. Lara, bouge tes fesses. Eh oh. C'est pas vous qui êtes en train de sauter au-dessus d'un truc de lave pour sauver vos potes et tout là. Hein? Si on arrive à balancer la cage vers là-bas, on pourra peut-être sauter. Ok. Et tiens, je te la balance ta cage. Merde, c'était l'autre. Comment je fais péter les deux en même temps? Genre je tire au milieu? Non, ça fait rien. Ouais, c'est ça, fallait juste que je m'aligne pour toucher les deux. Ok, des génies. Merci. Putain de merde, on a eu chaud. Ouais. On dirait qu'il y a un passage de ce côté. Mais barrez-vous. Alors allez-y. Je vais chercher Sam et Whitman. Bonne chance. Sois prudent. Ouais, ouais, toujours. Allez, on y va. C'est parti. Oh putain. Oh putain, ça pue. Je savais que c'était la merde de créer toutes ces explosions dans la caverne. Oh là là. On est sorti, mais tout est en train de s'effondrer. J'ai établi un point de rencontre de l'autre côté du pont. L'hélico ne devrait pas tarder. Ah, je suis pour Sam et Whitman. Oh putain. Oh putain. Je suis pas en confiance, les gens. Allez, vite, 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 vite. Envie de cramer là, moi. Wouah. Merde, ça passe pas par ici. Allez, une petite explosion, laissez-moi passer. Voilà, attendez. Si, ça, en fait, non, non, désolé, ça passe. J'ai juste moitié en plus. Bonjour, au revoir. Attendez, c'est de l'argent gratos, ça. Pardon. Messieurs, vous allez exploser, attention. C'est scripté. Je vous avais prévenu. Oh putain. Ah ouais, chaud. Mais qu'est-ce qui explose en fait dans leur truc? Oh, parce que je veux bien recréer l'explosion en dessous et tout, mais il y a un peu de flamme. Ok, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui peut bien exploser chez eux? Bonjour monsieur. Ah, la torche humaine, vous jouez au 4 fantastiques peut-être. Bonjour, enchanté. Attention, c'est scripté. Mais bon, j'ai eu le fric. Ça compte. Monsieur, votre argent, s'il vous plaît. Merci. Il y en avait pas un autre avec vous? Bon. J'ai l'air, il a peut-être dû s'en sortir, mais ça serait bizarre. Oh. Je viens de trouver un endroit important. Tiens, un bouquin. Personne ne part. J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'est... No one lives. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il? Ok. Là, les gens, ça devient chaud dans tous les sens du terme. C'est scripté, les gens, c'est scripté. Faites pas ça. Au moins, vous me dites où faut aller, mais... Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, ok, là, ça fight. Merde, il a enlevé la tête à ce moment-là. Ah, il a un casque. C'est de la triche, ça. Ah, en plus, il s'y fait péter, du coup. Allez, on y va. J'ai failli oublier de m'accrocher là. Ah, ok. Le piolet n'était pas au bon endroit, mais c'est passé. Ah, je peux pas là. Ah, si, c'est bon, ça a pris quand même. J'ai pris un peu les flammes, mais ça va.
Attendez, là ça va commencer à fight, je le sens. Ok, là ça a pas explosé, tant mieux. Ah bah Whitman, tiens bonjour. Lara, vous êtes là? Bah oui. Vous aussi? Enfin je veux dire, ça va? Vous n'avez rien? J'en cessé de me voir comme une menace. J'ai pu me déplacer plus librement. Toi une menace, en même temps. Oui, 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 et Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. C'est Solari. Ce sont des merveilles anthropologiques, Lara. Ce sont des psychopathes. Ouais, on est d'accord. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le gars ici. Vous me dites quand la voie est libre. Bien sûr, Whitman. Oh putain, lui je l'aurais laissé crever si j'avais été à la place de Lara. Genre en mode bas les couilles. Je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, Samantha. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivé. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça? Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Ah, il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Et ça, c'est un homme stupide. Vous allez voir. Il ne la quitte pas des yeux. Et voilà. Du coup, il ne regarde pas derrière lui. Bon, l'avantage, j'ai de la chance, c'est que c'est lui qui avait mes armes. Ça va aller. Tout va bien se passer. Bon, allez. On est chaud, là, et voilà, je vous l'annonce, je vais avoir une une grosse bataille. Il faut qu'on parte avant qu'il revienne. Whitman. Putain, qu'est-ce qui branle? Où est-ce qu'il est passé? Fuyez, Lara, fuyez! Attrapez-les! Oh putain, mais quel boulet! Bah non, mais fallait tirer directement sur le mec! Me dis pas que t'as peur de tuer après tout ce que t'as fait. Enfin, Lara. Continue, Sam. Je trouverai une autre sortie. Là. Oh putain. Oh putain. Ok. Je sais pas où sont les autres. Mais je tire comme un fou. Merde. Attendez, faut que je recharge. D'accord, c'est pas fait pour viser cette arme. Voilà, faites-vous péter. Attends, Georges. Ah merde, plus de munitions. C'est ça que tu voulais faire, peut-être, petit? Il y en a encore, ils sont où? Oh putain. Oh putain. J'ai raté. Attendez. Calme, oui. Je crois que c'est bon, hein. Non. Il y en a encore. Parfait.
On va vite faire récupérer le bordel. Du coup, j'ai eu mes pièces d'armes. Vous voyez, je l'ai eu, par contre, qu'après avoir récupéré toutes mes armes. Donc je pense que clairement le jeu a fait en sorte qu'on puisse pas avoir les pièces, les améliorations avant. Non, pas par là, là. S'il te plaît, va pas mourir comme ça bêtement pour de l'argent, hein. Tu n'es pas une politicienne, tu n'es pas une terroriste, tu n'es rien, tu ne meurs pas pour de l'argent, d'accord. Enfin, tu n'es rien. Tu es quelqu'un de normal, tu vois. Tu es quelqu'un de gentil. Faut être vraiment con pour moi pour de l'argent. Tu me stresses, toi. Merci. Désolé, j'ai développé une antipathie pour les lumières. C'est dingue. Merde. Oh. Je... Non, le... Qu'est-ce que tu branles, toi? Oh. Voilà. Bon, trois flèches pour ça, c'était pas ouf. Je vous l'accorde. Toi d'abord. Ok. Et boum! Et boum! Qu'est-ce que tu peux faire face à ça, tiens? Ok, je commence à m'en sortir. Ok, on est dehors. Oh putain. Oh non, c'est pas le moment! J'ai besoin de sauvegarder là! C'est une demi-heure. Aïe 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 aïe. Mec, c'est pas par là. Lara, qu'est-ce que tu fais? C'est pas par là, Lara. Ok. Défonce-lui la tronche, voilà. Non, non, cherche pas à voir ça. D'abord, tu le tues. Oh, mais Lara, tu sais pas t'en servir. T'es sérieuse. Fini, tu vois, cache-cache. Oh, putain. Mais il vise aussi bien que moi, quoi. Ok. Et là, on vient de débloquer le lance-grenade. Ok. Pratique. Voilà, et donc il se met sur le fusil mitrailleur. Vous voyez, je tire, je fais exploser. Oups, j'aurais pas dû ouvrir. Calme-toi, Lara. Calme-toi, Lara. Oh putain. Bonjour, bonjour. La parole de Raptor Lara, ça vous dit quelque chose? Non? Peut-être pas? Je sais pas. Eh, hey, j'étais sûr qu'il y avait un mec derrière. Mais par contre, les mecs qui se font pas one shot au lance-grenade, va falloir se calmer. Hein. Ah. C'est pas le lance-grenade le plus dangereux quand même. Putain, mais vous allez crever, oui. Je tire trop loin à chaque fois. Ah, attendez. Non, mais vous avez vu sa part aussi. Je voulais toucher quelqu'un avec ce lance-grenade, quoi. C'est de la merde. Je peux tirer là-haut?
Ça va être chaud. Ah, je crois que j'ai réussi là-haut. C'est bon? Tout le monde a eu sa dose? On dirait bien. On va voir, est-ce qu'il y a Rengaine? Alors, Rengaine. Donc, tout le monde a l'air d'avoir eu sa dose. On ramasse le matos et on a un feu de camp. Chou. Fusil à pompe moderne. Oui. On peut voir vite fait le fusil à pompe du coup à quoi il ressemble maintenant. Ah, il est quand même un peu plus mieux quoi. Là il y a les améliorations pour les armes. Alors attendez, c'est quoi ça? En arc, ça c'est le jus discret. Et qu'est-ce qu'on a ici? La poussière. Alors, on va prendre ça. Voilà. Comme ça, je pourrais vraiment tuer quasiment tout le monde avec une esquive. Enfin, c'est surtout pour les gros que ça m'intéresse. Donc, le fusil à pompe, on a bloqué plein de trucs. Capsule incendiaire aux balles. Donc, on peut modifier aussi le type de balle. Ça va être comme pour les flèches. Stabilité de l'arme. Vitesse de rechargement. Ah, ça me plaît, ça. Vous me direz, je peux tout mettre, techniquement. Voilà, il manquera encore une amélioration pour le fusil à pompe. Et on est bon, alors attendez. Donc là, une balle de fusil. Et là, ouais bon, je vois pas la grosse différence, mais il faudra voir ça sur les ennemis, je pense. Bon, et bien voilà. Donc, putain, beaucoup de fights. Quoi d'autre? Beaucoup de fights, des explosions, du boum. Enfin voilà, on aurait dit un film d'action quoi. Donc oui, la question, j'allais presque l'oublier au final. D'après vous, donc, si Mathias, donc je dis bien si, arrivait à réveiller la reine solaire, à ressusciter la reine solaire, et à quitter l'île, donc il rejoindrait la civilisation, entre guillemets, quand je dis civilisation. Parce que bon, c'est relatif. Pour nous, c'est la civilisation, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Oups. Attendez. Désolé. J'ai appuyé où fallait pas. Du coup, je m'assurais sur l'écran. Tant pis, c'est un petit fail de ma part. Donc, je disais, s'il parvenait à rejoindre la civilisation, et s'il pourrait, à nouveau rester dedans en fait. En gros, après avoir passé autant de temps sur une île, avec que des hommes en plus, hein, y a pas de femmes, donc voilà, je vais pas faire de conclusion hâtive, mais voilà. Et s'il pourrait, voilà, se réintégrer en fait à notre civilisation. Enfin, ça me paraît bizarre en soi. S'il veut que ça partir, mais après avoir fait autant de meurtres et devenu fou comme ça, enfin, je sais pas s'il serait capable en fait de réintégrer. D'après vous, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il serait capable? Si oui, sinon, pourquoi d'après vous? Voilà, c'est juste ce qui m'intéresserait à savoir. Chacun son point de vue. Du coup, voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Bon, il y a eu plutôt de l'action, on a pris un petit peu le scénario quand même, on a récupéré nos armes, on a amélioré le fusil à pompe. Je suis pas mort. C'est un épisode où il y a que du fight et tout et je suis pas mort. C'est pas passé loin des fois, je vous l'accorde, mais je ne suis pas mort. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer, vous abonner, enfin. Je pourrais presque vous le chanter à force. Moi je vous dis au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde!